mortels et prions le Seigneur de recevoir en son sein l'âme de Emma Barnstall. Puisse sa générosité, son sens de la charité vivre dans le cœur de ces deux ravissantes filles. Sarah, qui est arrivée d'Atlanta aujourd'hui, et notre chère Wanda. Que Dieu les bénisse toutes les deux. Amen. 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 Merci, révérend. Merci, révérend. Merci d'être venu. C'est très gentil. Mon enfant, si je peux faire quoi que ce soit. Oui, je sais. Merci, révérend. C'est gentil d'être venu. Merci. C'était très bien, Wanda. Quoi? La cérémonie. Maman aurait été très, très fière. Bonjour, Tati. Oh. Eddie, tu ne restes pas. Tout le monde se retrouve à la maison. J'aurais aimé, seulement je dois repartir à Atlanta. Oui, Jerry est très pris. Avec Gina, on l'emmène à l'aéroport et on revient après. Si ça ne vous ennuie pas, bien sûr. Non, aucun problème. À tout à l'heure. Et à cette époque-là, lorsque j'étais une toute petite fille, ta grand-mère avait un seau jaune qui était magique. Et elle s'en servait lorsqu'elle voulait faire arrêter la pluie. C'était très facile, il suffisait de le mettre dehors et d'un seul coup, la pluie laissait place à un beau soleil. Un seau comme celui-ci. Elle est presque aussi belle que sa maman. Ça va, chérie? Oui. Tu n'as besoin de rien? Non, merci, ça va. Je vais aller la coucher. Mais si tu veux. Allez. Allez, va, mon bébé. Gina, ça te dérangerait d'enlever ton Walkman avant d'entrer? Gina! Merci. Wanda? Wanda! Bonsoir. Pardon, on est en retard. L'avion de Jerry a été retardé. Gina? Oh, Gina, je ne t'avais même pas vue. Tu dois être fatiguée. Allez, viens, entre. Fais comme chez toi, chérie. Wanda, je tiens à te dire à quel point ça me touche. Tout ce que tu as fait pour maman. J'aurais bien voulu venir plus tôt. C'est déjà beau que tu sois venue tout court. Ça t'a fait beaucoup de soucis, tout ça. Je suis désolée. Dans mon travail, c'était la folie ces dernières années. J'aurais bien voulu venir, mais... Avec Jerry, c'est à peine si on se croise. Et toi, comment ça va? Oh, arrête, je t'en prie. Tu sais, j'avais envie de vous inviter à Atlanta, mais j'imagine que tu vas refuser. Tu prendras la chambre d'amis. Eddie l'avait aménagée pour maman quand elle est venue vivre chez nous. Oh non, je ne veux pas vous déranger, on va aller à l'hôtel. Non, il n'en est pas question. Monsieur Hampton doit passer à 8 heures demain pour nous lire le testament. Oh, Eddie, j'espère que je t'ai pas réveillée. Non, je suis content que vous soyez là. Mais où sont vos valises? Elles sont dans la voiture. On prendra le petit déjeuner tôt avant l'arrivée de Monsieur Hampton. Gina, tu pourras dormir sur le canapé. Laisse le ventilateur quand tu dors, comme ça il fera pas trop chaud. Et dans la salle de bain, n'oublie pas de fermer les robinets bien à fond, d'accord? Je voudrais aussi donner à Wanda le vase chinois et ma vaisselle, le meuble du salon avec le poste de télévision et la radio, les chaussures, les vêtements et autres objets m'appartenant, mais qui n'ont pas été mentionnés préalablement dans cette liste, en début de page. Pour finir, je lègue à ma fille Sarah mon fauteuil en cuir avec le dossier inclinable. Mais... C'est tout, j'hérite du fauteuil et Wanda, elle hérite de tout le reste. Peut-être que maman s'est dit que tu n'avais besoin de rien.
Quoi, c'est fini? Oui, malheureusement, c'est tout. Et elle ne parle pas de la propriété? Mes parents cultivaient les noix de pécan. Maman ne dit rien à ce sujet? Attendez, je regrette, je n'en ai pas connaissance. Ce n'est mentionné nulle part, et en plus c'est regrettable parce que mon associé Benjamin Latimer, qui s'est occupé du testament de votre mère, est décédé depuis plusieurs années. C'est un terrain de 4 hectares près de la Nationale 7, il a une valeur non négligeable. Mais Benjamin était très scrupuleux, je suis étonné qu'il ait pu commettre un oubli de ce genre. Tu t'es rendu sur place, toi? Tu as vu dans quel état c'est aujourd'hui? Oh, la seule fois où j'ai vu le terrain, c'était en passant devant. Maman y allait de temps en temps avant de tomber malade. On fait quoi maintenant? Bon, a priori, le testament n'est toujours pas homologué. Écoutez, je connais le juge McNamara. Et je pense qu'il pourra activer les choses. L'une et l'autre pouvaient être notées par défaut, les deux principales bénéficiaires testamentaires. Donc nous partagerions entre nous, 50-50. C'est vraiment glauque ici. C'est assez éloigné de l'image que maman nous en donnait. C'est normal, depuis la mort de papa, le terrain a été laissé à l'abandon. Et pour rajouter à l'exotisme des lieux, un vieux pot de peinture. Sans doute oublié là par une civilisation disparue. Oh, quelle belle limace! Ça ferait plaisir à maman, ça c'est sûr. Oh, Sarah, regarde. C'est le vieux tracteur de papa, tu te souviens? Qu'est-ce qu'il en était fier de son tracteur? Maman? 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 Gina? Il y a un chemin, viens. Oh, oui, oui. Oh, non, non, Gina, Gina, tu vas déchirer ta veste. Soudain, les lieux semblent revivre. Un passage secret s'enfonce au cœur de cette jungle oubliée. Gina, viens ici. Gina! Oh, un bébé chat. Où est ta maman? Laisse ce chat, n'y touche pas. Mais c'est... C'est la réserve où on faisait sécher les noix. C'est habité, on dirait. Jasper! William, venez, mes bébés, le dîner est servi. Maman vous a préparé une bonne soupe. Skeeter et Tammy, à table! Oh, ben ça alors. Qui est là? Ah! Allez-vous-en d'ici tout de suite! C'est une propriété privée, c'est interdit. Dernier avertissement. Gina, non. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Eh bien, je suis... Philippe, tu es revenu. Béni soit le Seigneur, tu es revenu. Tu as fait tout ce chemin depuis Clearwater pour venir me voir. Gina... La dernière fois que je t'ai vue, c'était à la ferme. Excusez-moi. Là-bas, en Alabama. Oh, tu te souviens? Oh, Philippe. Alors, il t'en eut, toi aussi. Madame, je crois que vous faites erreur sur la personne. Vous confondez ma fille avec quelqu'un d'autre. Oh, je sais bien ce que je dis. Je connais Philippe depuis qu'elle est haute comme trois pommes. Je suis désolée, je n'ai pas retenu votre nom. Je m'appelle Lily. Lily Cooper. Et les amies de Philippe sont aussi les miennes. Sarah Willerby, voici ma sœur Wanda. Bonjour. C'est notre propriété. Je vous demande pardon. Enfin, celle de notre mère. Madame Cooper, peut-être que vous connaissiez notre maman, Madame Barnsdale. Emma? Oui. Emma Barnsdale? Et comment si je la connais? Elle est en ville, elle est partie à Orangeburg. Acheter des provisions pour l'hiver prochain, à ce qu'il paraît, il sera très froid. Et elle vous laisse habiter ici? Bien sûr, pardi. Et si elle n'est pas revenue bientôt, je vais me retrouver bien embêtée avec toute la récolte à ramasser avant l'automne. Et pourquoi? En quoi ça vous intéresse? Oh, on se posait la question. Ben, allez-vous poser la question ailleurs. J'ai une famille à nourrir. William?
Jenny! Lou la belle, venez mes bébés, le dîner est servi. C'est incroyable, hein, qu'elle habite sur notre terrain. Elle n'a pas le droit. Ce n'est pas chez elle. Mais maman lui a donné l'autorisation. Tu sais bien comment elle était, toujours à aider les autres. Sans doute, mais on n'est pas responsable pour elle. Une femme qui vit en plein milieu des bois, elle pourrait se blesser. Enfin, attends, t'imagines, Wanda? Et puis, je te parle pas des frais qu'on va avoir, plus l'entretien du terrain, on n'a pas les moyens de payer. Mais alors, quelle est la solution? On sait rien. Oh, on verra ça demain. Je vous revois encore toutes les deux. Vous deviez avoir 7-8 ans en train de jouer dans la cour de chez Watson. Vous n'arrêtiez pas de vous chamailler. Ça n'a pas tellement changé. Si je me base sur le prix des terrains alentour, je pense raisonnable d'en demander 150 000 $ pour la parcelle tout entière. Oui. Oui, mais j'ignore si ce prix va se maintenir jusqu'à ce qu'il y ait preneur. Dans ce cas, il ne faut pas perdre de temps. Je voudrais vendre le plus vite possible. Oui, oui. Mais comprenez bien que j'ai besoin de l'accord de votre sœur. Sans cela, impossible. Oh, vous l'avez, l'accord de Wanda. Je ne voulais pas l'ennuyer avec toutes ces histoires administratives. C'était particulièrement mal choisi. Bien sûr, oui. Mais... Bon, eh bien, dès que les papiers seront prêts, appelez-moi. J'aimerais que ce soit réglé d'ici vendredi. Ce vendredi, c'est-à-dire que... Mais oui, bien sûr. Ce vendredi. Quelqu'un? Y a quelqu'un? C'est Philpy. Philpy, tu as manqué ton train. Quoi? Il est parti il y a une heure déjà. Alors vous vivez vraiment ici? Bien sûr, voyons moi et ma famille. C'était trop quand vous nous avez tiré dessus hier. Ça affiche une sacrée fausse à ma mère, en tout cas. Oh, c'est pas ce que je voulais dire, mais en attendant, vous avez réussi le tour de force d'attirer son attention. Qu'est-ce que c'est que ça, Philpy? Tu prends des photos? C'est un caméscope. Tu as toujours adoré faire des photos. C'est vrai? Vous voulez bien faire l'actrice, Madame Cooper? Alors, à quoi ça servirait? Pour devenir célèbre, pour être riche et tout et tout. J'ai été riche, moi aussi. Plus que je ne l'aurais espéré. C'est vrai? Racontez-moi. Oh, tu n'as pas oublié ce temps-là? Quand tout a commencé un soir d'été où Skinny Babock avait transformé la grange qu'il avait à Stoney Creek en salle de bal. Ah, tu étais venu exprès jusque chez Madame Hammerman pour m'aider à me faire belle. Tout le monde trouvait très bizarre que tu sois mon ami, mais tu te moquais de ce que les gens pensaient. Toi, tu disais que les vrais amis se moquent des apparences. La seule chose qui compte, c'est ce qu'on a dans le cœur. Et quand j'ai décidé de me trouver un mari, tu es venu m'aider. Souviens-toi bien, insiste sur le fait que tu veux des enfants. Ça plaît au fermier? Je ne veux pas d'un fermier, Philpy. Les fermiers empestent la sueur. Ne sois pas idiote et ne joue pas les prétentieuses. Les hommes n'aiment pas les femmes trop intelligentes. Laisse-le parler sans faire trop de commentaires. Du moins au début.
Tu m'avais dit, ne fais pas la fine bouffe. Trouve-toi un homme et prends-le. Parce que si tu ne le prends pas, une autre fille le prendra. Bonsoir, mademoiselle. Vous venez danser. On n'a pas fini de discuter. Oh, bon, alors reprenons. Alors, jeune fille, vous voulez me demander une cigarette ou alors vous voulez danser? Alors, on y va? Maman travaillait à la ferme de son père et Philippe et moi, on est devenus amis. C'est elle qui m'a coiffée pour ce soir. Et attention, jeune fille, j'ai pas d'autre camion que celui-là. Et tout ça n'explique pas comment une jolie fille a appris à conduire une automobile. À la mort de ma mère, j'ai trouvé une place de conductrice de camion pour vivre. Une conductrice de camion? Voilà une qualité qui doit être bien utile, j'imagine. Si on faisait une petite halte devant chez moi, histoire de se détendre un peu les jambes, d'accord? Alors, comment trouvez-vous ma maison? Oh, monsieur Cooper, elle est magnifique. Qu'est-ce que vous faites comme travail? Je suis dans les affaires, je dirais. Je porte un toast à la plus ravissante jeune fille de la soirée. Et vous l'avez épousée? C'est comme ça que vous avez eu la ferme? Monsieur Cooper était un peu plus âgé que je ne l'aurais espéré, c'est sûr. Mais il avait du charme. Votre rencontre est très romanesque. J'ai connu Ray dans un bar, dans une galerie marchande. Mais ne dites rien à ma mère, hein, elle ne le sait toujours pas. Non, non, non. Oh, tiens, j'allais presque oublier que j'avais quelque chose pour toi. Pour moi? Oui. Oh non. Jerry. À payer. Une facture de plus. Bonjour, Wanda. Regarde ce qu'elle m'a donné. Tu sais, c'est la dame dans la cabane. Elle dit que c'est le collier qu'on a acheté ensemble chez Woolworth et qu'elle portait pour aller danser. Attends. Quoi? Tu es retournée jusque là-bas, toute seule? Ah oui, mais ne dis rien, maman. Gina. Et puis tu sais, elle continue à m'appeler Philpy, hein. Et elle m'a parlé du garçon qu'elle a rencontré et qui cultivait le coton dans une ferme. C'était au moyen siècle. Et alors que tu trouves que c'est une bonne idée d'être retournée la voir? Oui, elle est cool. D'ailleurs, elle m'a demandé de lui acheter 2-3 trucs, de la soupe et des timbres. Que tu achètes des timbres? Oui, mais pour elle, c'est comme si j'étais une amie qu'elle avait perdue. C'est très étrange. Oh, Wanda, ça tombe bien que tu sois là. Il faut que je te parle de la propriété. Ça va, chérie?
Je suis allée voir Jimmy White. Il dit que si on s'en occupe maintenant, on pourrait obtenir dans les 150 000. Partagé en deux, ça ferait 75 chacune. Je lui ai donné le feu vert et il va la placer sur le marché. 75 000 dollars? Pas négligeable, hein? Oui, voilà, à condition que je décide de vendre. Je ne comprends pas. Tu ne veux pas vendre? Je ne sais pas. Peut-être pas, non. Attends, attends, c'est pas une blague ce que je te dis. On peut se faire pas mal d'argent. Ah oui, et Madame Cooper? Elle devrait pas être là, de toute façon. J'espère bien qu'elle sera partie d'ici la fin de la semaine. Donc, tu vas repartir à Atlanta, c'est ça. Tu ne restes surtout pas un jour de plus. C'est une décision importante. À ta place, je réfléchirai un petit peu plus longtemps. Ce serait raisonnable. Vous habitez ici depuis combien de temps? Ben, je vis là depuis que l'arbre est tombé. Ah oui, je me souviens. Est-ce que vous n'avez jamais eu envie d'une maison plus grande? Je suis certaine que la paroisse pourrait vous reloger. Oh non, puis j'ai toute ma famille ici, pas vrai, Jasper? Vous voyez souvent ma mère? Qui? Madame Barnsdale, vous savez bien. Emma? Oh, tout le temps. D'ailleurs, elle devrait être là demain. Il va falloir embaucher pour l'automne. Madame Cooper, ma mère, Madame Barnsdale. Ma mère est morte il y a une semaine. Elle était très malade. Non. Emma est à Orangeburg. Ce n'est qu'une rumeur. Il y a bien trop de travail à faire ici. Tiens, si vous lui parliez de la ferme, c'est vous qui cultiviez le coton. Oh, c'était la plus magnifique maison qui soit au monde. Vous aviez réellement une ferme? Oui, c'était ma toute première maison. Avant Henri, je n'avais jamais pu avoir de maison à moi toute seule. Henri était son mari. Et je pensais avoir plein de bébés. Alors quand je me suis installée, j'ai voulu m'assurer qu'ils auraient un bon foyer où grandir. Mais Monsieur Cooper n'avait pas prévu ça. Avec lui, il fallait travailler encore et toujours travailler. Lily! Conduisiez le camion pour aider votre mari? Parfois des journées entières. J'allais livrer des sacs de graines de coton jusqu'au Mississippi. Et parfois à des gens qui ne ressemblaient pas du tout à des fermiers. J'ignorais avec qui mon mari travaillait. Il faisait ses affaires et ça allait. Madame Cooper, j'ai été ravie de discuter avec vous. C'est moi qui étais ravie de vous voir. Au revoir. Philippe, n'oublie pas de dire à Emma qu'il faut qu'on embauche. Il va falloir 12 ouvriers de plus cette année. Je lui dirai. Ah, Philippe, Philippe, tu veux bien sortir le seau? On a eu suffisamment de pluie comme ça. Il faut que ça s'arrête. C'est incroyable. C'est exactement la même chose. C'est elle qui a dû raconter l'histoire du seau à maman. Oui? Et alors? Alors, c'est... Je sais pas, je trouve ça génial. Chérie, 75 000 dollars, ça, ce serait génial. Et chaque année à Noël, papa faisait faire un tour en tracteur à tous les enfants. Oh, on a tellement de souvenirs ici. Oh, mais regardez, c'est justement le tracteur de mon père. C'est très intéressant d'investir ici, c'est très bien situé, c'est un lieu magique. Alors, si j'achetais, personnellement, je crois que je ferais abattre certains arbres pour construire une maison juste en face, là. Ainsi, vous auriez une vue sur tout l'ensemble du comté de Shepperton. Papa, viens voir. Je vais vous montrer. Oh, non, non, pas par là. Viens, je vais te montrer quelque chose. Oh, t'es toujours pas parti? Wanda, j'ai une bonne nouvelle. J'ai trouvé un acheteur. Ah oui? Son offre est inférieure à ce qu'on demandait, mais Jimmy nous conseille d'accepter. Est-ce que tu veux savoir combien? Sarah, je regrette, mais je ne veux pas vendre. Mais toi, tu peux si tu veux.
On ne vendra jamais la moitié du terrain, Wanda. En tout cas, je refuse de vendre. Mais enfin, pourquoi? Parce que Madame Cooper y habite. Et je refuse de la mettre dehors. C'était l'amie de maman. Oui, d'accord. C'est bien dommage qu'on n'ait pas su plus tôt qu'elle était là pour s'en occuper. Je le reconnais. Mais franchement, cette femme devrait être dans un hospice depuis Sarah, longtemps. Il n'est pas question qu'elle aille dans un hospice, c'est clair. S'il lui arrivait quoi que ce soit, tu te rends compte, personne ne l'entendrait. Elle aurait beau hurler, qui viendrait à son secours? Et en quoi ça t'intéresse? Tu ne vas tout de même pas me dire que cette femme t'inquiète encore plus que ta propre mère. J'étais inquiète pour maman. Non mais attends, tu as débarqué ici après 3 ans. On a tout réglé pour toi et tu repars. J'avais des priorités et tu le sais bien. Maman en était une. Ce qui s'est passé entre maman et moi, ça n'a rien à voir avec toi. Pour ça, c'est ce que tu crois. Tu as abandonné ta propre mère. Il est hors de question que je vende, c'est tout. Ce n'est pas parce que vous êtes la propriétaire que ça m'autorise à mettre cette femme dehors. Les squatteurs ont des droits. Ah oui, et lesquels, s'il vous plaît? Eh bien, si elle vit sur place depuis aussi longtemps que vous le dites, elle a le droit de rester. Mais c'est ridicule, je suis la propriétaire. C'est à vous qu'appartient le terrain, mais cette femme y habite et ne peut en être chassée. Ni votre sœur, ni vous ne pouvez changer quoi que ce soit, sauf si elle s'en va ou si elle meurt. Mais sa santé est fragile, on doit l'aider. Oui, peut-être. A-t-elle de la famille? Ça, je l'ignore. Sauf si elle décide de s'en aller, vous ne pouvez rien faire, parce que, d'après la loi, il n'y a qu'un membre de sa famille qui puisse la faire interner. Jerry, cette femme a le droit de rester là-bas aussi longtemps qu'elle le souhaite. Je me suis renseignée, il n'y a rien à faire. Oh, je sais, Jerry, je... Non, ça n'est pas possible. D'accord. Je serai à la maison demain. Est-ce que papa va venir? Non. Est-ce qu'on peut aller voir Madame Cooper? Pourquoi irions-nous la voir? Parce que c'est mon amie. Elle, ton amie, enfin voyons, chérie. Tu ne l'as vue qu'une fois. Ne me dis pas que tu y es retournée. Avec Wanda. Oh, formidable. Mais quel mal y a-t-il à ça? Madame Cooper est géniale. Cette femme rend les choses très difficiles pour ton père et pour moi. Demain, on rentre à la maison. Moi, je reste. Elle a besoin de moi. Je suis sa seule amie. Gina. Une toute dernière visite. S'il te plaît, maman, que je lui dise au revoir, au moins. Je passerai chez l'épicier avant. On s'en sait pas grand-chose. Ils sont mignons. Ils ont tous un nom. N'est-ce pas, Madame Cooper? Oui. Tenez, c'est pour vous. Oh, c'est gentil. Merci beaucoup. C'est vraiment très gentil à vous. Tu dis au revoir, Gina. On a de la route à faire. Mais maman... Gina. Au revoir, madame. Au revoir, Philippe. Que Dieu te bénisse. Au revoir. Oh, j'arrive trop tard, on dirait. Que se passe-t-il? On était sur le point de s'en aller. Oh, c'est vrai? Mm-hmm. Mais tu sais, Gina, elle peut rester. Si tu veux, je la garde avec moi jusqu'à la fin des vacances scolaires. Mm? Oh, je n'y tiens pas trop. En plus, je ne suis pas d'accord pour que tu l'amènes ici sans m'en parler. Allez, viens, Gina. Au revoir, Wanda. Au revoir, Gina. Oh, qu'il est mignon, qu'il est mignon. C'est un bébé, c'est un bébé. Un adorable petit bébé. Un bébé. Ça va, Madame Cooper? Oui, chérie. Vous voulez la prendre? Oui, bien sûr. Tenez. Elle s'appelle Ruby. Comme elle est belle. Ruby, c'est notre fierté à son père et à moi, ça c'est certain. Oh, j'ai eu un bébé, moi aussi. Oh, c'est vrai? C'était un petit garçon. Oh. Son papa n'aimait pas trop les enfants. J'ai découvert... Après m'être mariée, que moi et Monsieur Cooper, on était différents là-dessus. Mm-hmm. Pour lui, avoir une famille n'était pas dans ses projets. Un bébé, si mignon un bébé. J'adore les petits bébés. J'arrive.
était écrit ici. D'accord, parfait. Bien, au revoir. Vous êtes blessé? Venez, je vais vous aider. Je vous emmène. Ça va aller. Venez, tenez, appuyez-vous. Voilà. Vous transportez de l'alcool? Lucia, viens m'aider. Vite, dépêche-toi. Aide-moi. On va l'emmener. Venez, madame. Voilà. Ça va aller, on y est presque. Tout s'est bien passé. C'est un joli petit garçon. Il va très bien. Mon bébé. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse tous les deux. Qu'est-ce qui s'est passé après? Qu'avez-vous fait? Madame Cooper, votre fils, où est-il? Où qu'il se trouve, je sais qu'il y est bien. Mais où est-il? Est-ce qu'il est encore en vie? J'en sais rien. Comment ça, vous n'en savez rien? C'est pas grave, vous n'avez pas à nous le dire. Je repasserai vous voir demain, d'accord? Allez, on y va. Au revoir, Madame Cooper. Je reviendrai vous voir, c'est promis. Allez. Cette femme est absolument folle. Mais grâce au ciel, elle a un fils. Qu'est-ce que ça peut te faire? Oh, j'ai pas dit au revoir à Wanda. C'est pas la peine. On reste. Je cherche le numéro de téléphone d'un monsieur Cooper. Cypress, Alabama. Oui, allez-y, je note. Il y en a qu'un. Merci. Bon, voilà. Tu appelles ce numéro et si tu trouves quelque chose, tu me le dis. Mais où est-ce que tu vas? Je reviens dans 2 heures. Il y a forcément quelque chose. Non, le seul Henry Cooper, originaire de l'Alabama qui pourrait correspondre, est mort en 1972. Mais il était né en 1890, donc il serait un peu vieux pour être son fils. Alors ce devrait être son mari. D'après ce qu'elle dit, son fils devrait avoir dans les 50 ans. Mais je n'ai aucune déclaration de naissance, ni chez lui, ni chez elle. Rien du tout? Non, rien. Et pourtant, j'ai épluché tous les registres de la ville et tous ceux de la région. Et si ce monsieur a vécu dans l'état de l'Alabama, je le saurais, croyez-le bien. Je suis inspecteur des impôts. Êtes-vous sûr que cette femme ait bien eu un fils? Avez-vous d'autres précisions? Vous savez que je suis infirmière. Et je travaille à l'hôpital de Fairview. Et quand je vois votre jambe, je me dis que c'est à surveiller, parce que c'est infecté. Ah, alors, c'est juste une petite égratignure. Oui, mais une égratignure à surveiller. Depuis quand vous n'avez pas vu de médecin? J'ai pas besoin de médecin, je ne suis pas malade. Et voilà, tout sera prêt pour l'accueillir lorsqu'il viendra. Il aura une jolie maison pour y grandir. Votre fils?
Mais je croyais vous avoir entendu dire... Il devrait arriver d'un jour à l'autre. Madame Cooper, où est-il? Il sera là bientôt? Avez-vous réellement un fils, Madame Cooper? C'était un enfant adorable. Et il ne m'a jamais fait le moindre caprice. Et sa frimousse. Une frimousse si gracieuse. C'était le plus beau le dimanche matin alors que nous allions à la messe. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Tu vas aller faire un gros dodo et après... T'as suffisamment traîné aujourd'hui. Tu peux aller livrer jusqu'au Mississippi. Laisse le gosse au voisin, moi j'ai pas le temps de m'en occuper. Les voisins? Je ne laisserai pas mon bébé. Oh, ça va, il est pas en sucre, ton bébé. Non. Non, je ne conduirai pas, je refuse. Je connais ton trafic. J'ai vu ce qu'il y avait dans les sacs, c'est illégal. Très bien, je vais t'expliquer. Comment tu te figures que j'ai eu tout ça? Cette maison qui te plaît tant. Alors si jamais tu fais une bêtise, on risquerait de tout perdre, tu entends? C'est pas ce que tu veux pour le petit Henri, hein? Alors lève-toi! Eh bien, ce sera pas long. Voilà, tu vas voir, les voisins sont très bien. Chérie, je suis là. Maman ne te laissera plus. C'est promis. C'est bon, j'y vais. Je m'en occupe. Je veux un rapport détaillé. Ça ne doit plus se reproduire. Comptez sur moi, ça sera fait. Excusez-moi, s'il vous plaît. Oui, madame. Bonjour, Lily. Que puis-je faire pour vous? Shérif, mon mari fait de la contrebande. Je le sais, c'est lui qui m'oblige à livrer de l'alcool en fraude. Caché dans des sacs de graines de coton. Des sacs de graines? Venez. Il les emballe dans la grange, le soir. Et je ne veux pas que mon petit garçon soit élevé par lui. Je suis prête à tout raconter et à aller voir un juge, même s'il le faut. Oh, ce ne sera pas nécessaire, madame, je vais vous dire. Rentrez chez vous et faites comme si tout allait bien. Je vais regrouper mes hommes et nous viendrons ce soir. Mais surtout, surtout, n'en parlez à personne, d'accord? Oui, shérif. Il ne faut pas qu'il se doute de quelque chose. D'accord? Allez, rentrez. Viens, mon bébé. Regardez qui est là. Où allez-vous si vite? Rien de presse. Soyez sans crainte, Madame Cooper. Regardez votre petit Henri comme il a peur. Donnez-moi votre bébé. Alors. Qu'est-ce que vous faites? Madame. Non, mon bébé, rendez-moi mon fils. Vous n'avez pas de fils. Rendez-moi mon enfant. Vous ne voulez pas qu'il soit élevé par son père? Ben voilà, c'est fait. Oh,
Henri. Ça va, vous pouvez l'emmener. Allez, Henri. On est là. Henri, rendez-moi mon bébé, rendez-le-moi. Rendez-moi mon enfant, Henri. Si avec vous, elle ne se tenait pas tranquille, avec moi, c'est réglé. Une chance que je sois arrivé à temps. Dans la voiture. Henri, qu'est-ce qu'il est devenu? Où l'ont-ils emmené? On sait rien. Mais est-ce que votre mari l'a récupéré ou bien l'a-t-il mis dans un orphelinat? J'en sais rien, j'en sais rien. Madame Cooper. Vous croyez que vous pourriez le retrouver? Vous arriveriez à le retrouver? Oui. Philippe va le retrouver. Oh, merci, Philippe. Shérif, je vous dis que cette femme est folle. Elle dit qu'elle a un fils, mais on ne retrouve ni certificat de naissance, ni certificat de décès. Et si vous voyez la maison où elle vit, il n'y a ni eau courante, ni électricité. Rien. Je vous en prie, madame. En plus, elle est dangereuse. Elle est armée. J'ai pu le vérifier. Il n'y a pas de loi qui l'interdise, sauf si elle s'en sert contre quelqu'un, évidemment. Ce qu'elle a fait, shérif, elle nous a menacé, ma fille et moi. Allô? Gina? Tu es sûre? Oh, mon Dieu. Oui, bien sûr, j'arrive. À tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Il faut que je te laisse. C'est Madame Cooper. Il y a un problème? Tu veux que je vienne? Non, c'est entre moi et Sarah. Occupe-toi de la petite, j'en ai pas pour longtemps. S'il vous plaît, madame, on veut juste vous parler. Mais de toute façon, elle peut rien nous faire avec sa pétoire. Faites attention. Madame Cooper, s'il vous plaît, soyez raisonnable. N'ayez pas peur, nous ne voulons pas vous faire de mal. J'ai une assistante sociale qui est avec moi et elle voudrait simplement savoir si tout va bien. Qu'est-ce que vous faites? Oh, mais enfin, cette femme n'est pas un monstre, voyons. S'il vous plaît, laissez-nous vous parler. Tout ce que nous voulons, c'est vous aider, Madame Cooper. Elle n'a pas besoin qu'on l'aide. Non, n'y allez pas, méfiez-vous. Wanda, ne craignez rien. Tout va bien. C'est moi. Voilà. Venez. Bon, écoutez, il ne vous arrivera rien. Croyez-moi, je ne les laisserai pas faire. Allez, donnez-moi ça. Vous n'en avez pas besoin. Voilà. Tenez. À ce qu'il paraît, vous avez un fils qui pourrait sûrement nous aider. Alors vous n'avez pas de fils. Rendez-moi mon fils. Allez. Non. Allez, venez avec nous. Non, non. Laissez-la tranquille. Elle n'a rien fait de mal. Non. Laissez-la. Non. Mais laissez-la. C'est bon, non. Vous êtes... Non, lâchez-moi. Arrêtez. Laissez-moi tranquille. Je vous en prie, non. Henri. Non, laissez-moi. Vous lui faites mal. Lâchez-moi. Il fallait le faire. Tu devrais avoir honte. Oh, mais c'est pour l'aider, voyons. Tu n'as jamais aidé personne à part toi, Sarah. Non. Où est-ce que vous l'avez? Allez, allons, du calme, baissez la tête. Emmenez-la. Où est mon bébé? 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 Gina? Chérie, qu'est-ce qu'il y a? Je la déteste, je la déteste. Oh, dis pas ça, chérie. Mais pourquoi a-t-elle fait ça? C'était mon amie. Avec maman, rien n'existe. Je sais, et c'était mon amie à moi aussi, Gina. Alors, j'espère que je n'ai pas envenimé les choses entre toi et ta mère. Mais elle reste ta mère. Tu dois respecter ça. C'est dur. Oui, je sais. Elle est très bizarre ces derniers temps. D'ailleurs, je l'ai su qu'on partait que ce matin. Elle repart à Atlanta? Elle dit qu'elle doit retrouver papa. Et Madame Cooper, t'as des nouvelles? Oh oui, elle n'arrête pas de parler de son amie Philpy. Où est Philpy? Sans arrêt. Là, elle est à l'hôpital. Ils lui font plein de tests psychologiques, mais jusque-là, ils n'ont rien trouvé d'anormal. Oui. Naturellement, ils disent qu'elle est étrange, mais aucune loi n'interdit ce genre de choses. Oh, j'ai une idée. Si on allait lui rendre visite ce soir, on lui apporterait quelques friandises. Qu'est-ce que t'en penses? Oui. Allez, viens, on s'en va. Je peux le voir combien de temps? Quelques minutes.
J'ai passé la matinée avec lui. Ça ne va pas très fort. Il n'avait pas émis la moindre résistance, alors pourquoi? Ce n'est pas un assassin. C'est le règlement, Sarah. La prison. Faut pas exagérer, en plus on vous paye pour le faire sortir. Il n'y a pas 36 solutions. Si vous arrivez à payer la caution, je ferai en sorte qu'il puisse sortir ce soir. Sarah, est-ce que ça va? Donne, s'il vous plaît. Bien sûr. Oh, Jerry. Bon. Je crois qu'on savait que ça allait arriver. C'est tellement... De là, te retrouver en prison. Il n'avait pas le choix. Il a essayé de l'éviter, mais... Il fallait que j'accepte de me rendre, ou je risquais de me faire arrêter quelque part ailleurs. Alors, toi, de ton côté, tu en es où? Tu as parlé avec Wanda? Vous vous êtes mise d'accord? Non. On en est au même point. Pourtant, il va bien falloir trouver une solution. Combien de temps crois-tu que je vais tenir, moi, ici? Jerry, je peux te dire que je fais le maximum. Ma sœur ne m'adressera sûrement plus la parole. Et Gina, j'ose à peine imaginer comment je vais lui annoncer la nouvelle. Elle est si loin de se douter. Oh. Je ne sais vraiment plus quoi faire. Je ne sais plus. Alors dis-le-moi, toi, si tu le sais. Je veux savoir ce que je dois faire. Jerry. Il faut que tu me fasses sortir de là. Comment? Et avec quoi? Bonjour. Tiens, tiens, on dirait que vous avez de la visite. Elle vient de finir de dîner. Comment va-t-elle? Elle a encore des moments de délire. Elle doit faire une autre analyse de sang avant de partir. Madame Cooper? Qui est là? C'est nous, on vous a apporté deux, trois petites choses. C'est Philippi, Madame Cooper. Philippi? Philippi, tu es venu me sauver. Vous sauver? Mais de quoi? Lily, Lily, on va vous aider à dormir encore un peu. C'est rien du tout, laissez-vous faire. Calmez-vous, ce sont vos voisins qui s'occupent de lui. Il va très bien. Il le garde jusqu'à ce que vous alliez mieux et que vous sortiez. Mais maintenant, ça va? Non, le shérif dit que vous devez encore attendre. Tenez, si vous lui écriviez une lettre. Chut. Madame Cooper. Vous dites que vos voisins gardaient le petit. Vous vous souvenez de leur nom? Non. Ça ne fait rien. C'est pas grave. Il y a forcément un moyen de savoir qui étaient ces personnes.
Peut-être que si elle se souvenait de là où elle habitait, le nom de la ville, la rue. Bonjour, Gina. Oh, Wanda, je peux te voir une minute? Je regrette, Sarah, j'ai rien à te dire. Tu fais fausse route avec elle, je t'assure. Elle n'a pas d'enfant, elle a tout inventé. Attends, de quoi est-ce que tu parles? Je sais que j'aurais dû te le dire plus tôt, mais je suis allée voir un inspecteur des impôts. Il n'existe aucun certificat de naissance concernant cet enfant. Elle a menti, je t'assure. Je refuse de te croire. Cette femme n'a pas d'enfant. Si, elle en a un. Madame Cooper, vous n'avez pas d'enfant, n'est-ce pas? Sarah! Maman! Dites-nous la vérité. Vous n'avez pas d'enfant. Vous n'avez pas d'enfant. Rendez-moi mon petit Henri! Henri! Rendez-le-moi! Rendez-moi mon bébé! Rendez-moi mon bébé! Allons, allons, n'aie pas peur. Monsieur Boyd va s'occuper de toi. Le shérif a dit que tu resterais avec Monsieur Boyd quelque temps. Monsieur... Ils ont donné mon bébé à... Monsieur... T.W. Boyd. Ça y est, sa mémoire revient. De quoi est-ce qu'elle parle? Boyd, c'est ça? C'est dingue, tout le monde s'appelle Boyd en Alabama. Oh, ça fait rien, on continuera à chercher demain. Si ça se trouve, il vit plus en Alabama. Il peut avoir déménagé. Allô? Bonjour, je m'appelle Gina. J'ai eu votre nom dans le bottin parce que je cherche quelqu'un qui s'appelle D.W. Boyd. Alors voilà, est-ce que par hasard, vous connaîtriez cet homme? Vous vous trompez de numéro. Allez, viens. On va grignoter quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'il y a de bon à manger? Allô? Bonjour, je cherche quelqu'un qui s'appelle D.W. Boyd. Vous connaissez cette personne? Oui. C'est vrai? Oui, absolument. C'est mon grand-oncle. Ah oui? Pourquoi? C'est pour un sondage? Ah, non. Surtout ne raccrochez pas. Je le cherche pour avoir des nouvelles d'un petit garçon qui s'appelle Henry Cooper. Je connais Henry. Mon grand-oncle l'a élevé. Et il est vivant? Il va bien? Ma foi, je pense que oui. Je ne l'ai pas vu depuis longtemps. Mais vous savez où il vit? Aux dernières nouvelles, il était batelier quelque part en Alabama. Il est en Alabama? On va le retrouver. Merci infiniment. Tu as entendu, Sarah? Elle a un fils. Bon, Madame Cooper va devoir partir ailleurs. J'ai vendu le terrain. Écoute, Sarah, je ne veux pas savoir qui est cet acheteur ni où tu l'as trouvé. Tant que je n'aurai pas signé, tu ne vendras pas. Est-ce que c'est bien clair? Il faut retrouver le fils de cette femme. Elle a passé toute sa vie à l'attendre. Tu ne vois pas à quel point c'est crucial? Donc, Monsieur Boyd a dit qu'il laissera un message pour votre fils à l'église. Priez le Seigneur pour qu'il aille à l'église. Il sera là bientôt. En tout cas, nous l'espérons. Nous ne saurons rien tant qu'il n'aura pas appelé. C'est sûr qu'il va venir chez sa maman. Oh, il viendra, c'est sûr, il viendra. Oh, Philippe. Comment avez-vous connu notre mère? Pourquoi est-ce que vous habitez la cabane dans la forêt? Philippe, tu te souviens, n'est-ce pas, ma jolie? Lily Cooper? Oh, ça fait tellement longtemps que tu es dans cet hôpital. Je l'ignorais. Nous n'étions pas ici. J'ai tout appris en lisant ta lettre. Je suis désolée. Philippi. Tu vas venir vivre à la maison avec Bob et moi, le temps que tu reprennes des forces. Mon époux et moi, on voudrait que tu viennes en Caroline du Sud. Tu y serais bien. Hein, Lily? Mais non. Il faut que je rentre pour retrouver mon bébé. Oh oui. Voilà, le bus 493 va jusqu'à Clearwater, Alabama. Mais il ne part qu'à minuit. Tu es sûre que tu vas attendre? Je pourrais très bien te raccompagner en voiture. Oh, c'est parfait. Allez, rentre chez toi. Je vais m'acheter un sandwich et après, là, tu vois, je vais rester là sur ce banc. À attendre. Tiens, prends. Je ne te permets pas de refuser. Merci. Si jamais ça ne va pas là-bas, voici mon adresse. Tu viens tout de suite, tu entends, Lily? Okay.
moi d'écrire. Tu dis au revoir à Lily? Au revoir, Emma. De Savannah, Géorgie va partir. Le bus à destination de Savannah, Géorgie va partir. Henri ? J'ai réfléchi. Je te remercie, mais je ne peux pas rester ici. Le shérif pourrait me retrouver. Et mon mari aussi. Mais enfin, Lily, tu ne vas pas passer ta vie à déménager, c'est risqué. Ça ne m'ennuie pas. On va trouver autre chose. Si tu crains tellement ce shérif, il y a notre cabane dans le bois. C'était celle du gardien. Elle est isolée et personne t'y retrouvera. Pas exactement un palais, mais tu peux y rester autant que tu veux. Oh, et je saurai en prendre grand soin. Et j'y accueillerai mon fils quand je l'aurai retrouvé. Je voudrais tellement pouvoir t'aider. J'aimerais faire tellement plus. C'est très bien. Tu en as bien assez fait déjà. On te promet de ne pas dire que tu es là. N'est-ce pas, Emma? Et puis un jour, Emma est venue me voir. Et elle a dit que sa maman ne viendrait plus parce qu'elle avait un cancer. Mais je savais que Philippe ne nous quitterait jamais et qu'un jour elle reviendrait. Alors j'ai dit à Emma qu'il faudrait s'occuper des récoltes jusqu'à ce que sa maman revienne. Et aujourd'hui,
elle est revenue. Une véritable amie ne vous quitte jamais. Attendez, vous avez dit Emma. Mm-hmm. Notre Emma. Notre mère, Emma Barnsdall. Mm. Et la mère d'Emma était Philpy. Oui, enfin, c'était un surnom, parce qu'en vrai, Philpy s'appelait Edith. Edith. Oh mon Dieu, c'était Edith Timkin, ton arrière-grand-mère. Donc, vous prétendez que notre mère vous a autorisé à vivre là-bas dans le plus grand secret? Oh, elle me l'avait promis. Je ne voulais pas que ce shérif et mon mari puissent me retrouver. Ensuite, il y a 2 ans maintenant, Emma est venue me voir parce qu'elle ne voulait plus s'occuper de cette maison. Et elle préférait me la donner en attendant que reviennent Philpy et mon petit Henri. C'est depuis ce jour qu'elle est à moi. Quoi? Elle vous l'a donnée? Bien sûr que oui. J'ai d'ailleurs signé tous les papiers officiels. C'est quelqu'un d'adorable. Elle vient me voir chaque année et elle m'aide au moment de la récolte. Et on en aura une très bonne cette année, hein, Philpy? Oui, excellente. Et tout ça sera Henri un jour. Cet argent que j'ai économisé en vendant les noix de pécan. Et le terrain. Je lui donnerai tout lorsqu'il reviendra. Voilà pourquoi elle ne nous l'a pas légué. Maman lui avait donné de son vivant. J'ai toujours les papiers. Je peux vous les faire voir, non, si vous voulez. Non, c'est pas la peine, restez allongée. Ça va. Wanda? Je voulais te dire au revoir. Gina et moi, nous partons demain. Ah. Je suis désolée de t'avoir ennuyée avec tout ça. Jimmy White et son acheteur sont furieux contre moi aussi. Je crois que j'ai embêté tout le monde, en fait. Tout le monde, ce n'est pas si sûr, vois-tu. Tu n'as peut-être pas remarqué, mais pour la première fois de sa vie, ta fille s'est confiée à quelqu'un. Gina adore Madame Cooper. Et tu sais pourquoi? Parce que Madame Cooper est la seule personne qui prenne enfin le temps de discuter avec elle et d'écouter ce qu'elle a à dire. Ta fille a besoin de toi, Sarah. Ouais. Je sais, j'ai pas été très attentive ces derniers temps, c'est certain. Je voulais venir voir maman. C'est vrai, je t'assure. Alors, tu n'avais qu'à venir. Hein? Allez, bonne nuit, Sarah. Wanda, attends. Non! Je n'ai pas pu, parce que maman avait raison. Attends, de quoi est-ce que tu parles? Elle détestait tout ce qui était ma vie depuis mon départ, ma carrière, mon mari. Elle avait peur que Jerry t'éloigne d'elle si tu l'épousais. Elle ne le détestait pas. Il a de sérieux problèmes, Wanda. Avant la mort de maman, Jerry a été accusé d'escroquerie financière. Qu'est-ce que tu dis? Et il est incarcéré. L'un de ses actionnaires a eu la preuve qu'il avait effectivement détourné des fonds lors d'une transaction financière. J'ai dépensé tout ce que j'avais à essayer de lui éviter la prison. Et aujourd'hui, je n'ai pas de quoi payer la caution. C'est pour ça que je voulais vendre le terrain. Oh, Sarah, j'ignorais tout ça. Je voulais t'aider pour maman. Je voulais envoyer de l'argent. Mais tout ce que nous avons a été hypothéqué par notre banque. J'ai peur, si tu savais, Wanda, je n'ai aucune solution. Mais pourquoi est-ce que tu n'as rien dit? Oh, c'était par orgueil. Je sais que c'est stupide. Et qu'aujourd'hui, c'est ridicule. Ce qu'il y a de pire dans tout ça, tu vois, c'est que je t'ai déçue. Oh. Bonsoir.
Gina. Tu sais que si tu veux, tu peux rester. L'audience de ton père est dans 2 semaines. Wenda dit que tu pourrais rester chez elle jusque-là. Tu irais voir Madame Cooper. Je sais ce que j'ai à faire. Tu crois que je suis pas assez grande? Essayez de me joindre, que c'était en rapport avec ma mère. Je suis désolé de ne pas avoir pu vous rappeler plus tôt, mais j'étais Gina en train de travailler sur la péniche. Maintenant, je suis chez moi, à Wallerton. Normalement, je devrais rester quelque temps. Ne raccrochez pas. Allô? 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 Sarah Wellerby à l'appareil. Oui? Je suis la sœur de Wenda. Oh, vous devez trouver ça fou. Mais ma sœur et ma fille vous cherchent partout. Elles pensent avoir trouvé votre mère. C'est vrai? Lily Cooper, originaire d'Alabama. Oui. Et elle nous a raconté, elle nous a parlé de vous et de tous les efforts pour vous trouver, mais elle ignorait où vous étiez. Mais je pensais qu'elle était internée. Ou morte. Je ne savais rien. Oh non, non, elle n'est pas folle. C'est une femme qui est charmante et elle parle de vous constamment. Oh, elle espère tellement vous revoir un jour. Vous représentez tout pour elle, je vous assure. Attendez, c'est une blague, là? Non, elle veut vous voir. Alors elle... Elle aurait dû arriver à me retrouver depuis, non? Mais elle a tout essayé sans succès. C'est le shérif qui vous avait enlevé à elle quand vous étiez petit et... Madame, c'est gentil d'avoir appelé, mais... Merci. Merci quand même. Qui c'était? Une femme. Une femme qui appelait de Caroline du Sud. Elle dit qu'elle a retrouvé ma mère. Irma, Madame Cooper a changé de chambre? Oh oui. Elle a été transférée en cardiologie hier soir. En cardiologie? Oui. Ça fait longtemps qu'elle fait de l'hypertension artérielle, d'après vous? Oh, oui, depuis très longtemps. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, ses troubles sont causés par une mauvaise irrigation du cerveau. Et son cœur est fatigué. Une chance qu'elle supporte le traitement. Et si jamais... On va faire notre possible. Promis. Merci. Si seulement son fils acceptait de venir, peut-être qu'elle irait mieux. Oui, mais il ne veut pas venir, chérie. Nous devons respecter sa décision. Est-ce qu'on pourrait dire à Madame Cooper qu'il est toujours en vie? Peut-être que ça lui ferait du bien de le savoir. Je crois que ça lui briserait le cœur qu'il refuse de la voir. C'est déjà assez triste pour elle de ne pas être ici. Wanda a raison, ma chérie. Si tu veux, je te propose qu'on passe la voir en retournant sur Atlanta. Téléphone-nous s'il y a du nouveau. Tu sais qu'on n'est pas si loin que ça en voiture. D'accord. Au revoir, à bientôt, Wanda. Gina. Gina, ça ne t'ennuie pas si je parle un moment à Madame Cooper, en privé? Non, vas-y, je t'attends. Ah, merci. C'est Sarah, je tenais à m'excuser pour ma façon d'agir. Ça ne vous était pas destiné, vous savez. Je sais bien, mon enfant. C'est contre vous, vous luttez, pas contre moi. Est-ce qu'elles l'ont trouvé?
Ils ont retrouvé Maury. Non, pas encore. Mais il va bien. J'en suis certaine. Ah, j'ai trop peur de retourner là-bas pour le chercher. C'est comme ça? C'était pas votre faute. Moi, je suis persuadée qu'il vous aimerait s'il pouvait vous connaître. Ce qui n'arrivera jamais maintenant. Hein? Pas une seule journée, vous n'avez cessé de l'aimer. Toutes ces années. Il faut qu'il le sache. Quel dommage, en fait, que la vie soit parfois si cruelle. Vous êtes gentil. Vous êtes très gentil, Sarah. Gina, on s'en va, réveille-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? On a quelque chose d'important à faire. Viens. Bonjour. Bonjour, madame. Je peux vous aider? Oh, j'espère, oui. C'est nous qui avons téléphoné pour votre mère. Mon nom est Sarah Wellerby et voici ma fille, Gina. En fait, tout ce que je savais, c'est que le shérif et mon père trafiquaient tous les deux, mais je n'ai jamais su ce qu'était devenue ma mère. Vous avez les mêmes yeux et les mêmes sourires. Et tous ces chats. Vous avez plein de points communs. Je suis désolée, c'est trop tard. Oh, elle ne parle que de vous, Henri. Pourquoi refuser de venir la voir? Tant mieux si elle est encore de ce monde, mais j'ai passé tellement d'années à essayer d'oublier ma mère. Je crois qu'elle n'a plus de place dans mon cœur. Mais elle a besoin de vous, Henri, je vous assure que c'est vrai. Venez avec nous, s'il vous plaît. Savez-vous ce que c'est de grandir en pensant que votre maman vous a rejeté, qu'elle ne vous aimait pas? Je me souviens lorsque j'étais petit et que j'espérais tous les jours que ma maman reviendrait pour me reprendre. Ensuite, au fil des années, vous vous dites, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que j'ai fait de si terrible? Ma propre maman m'en veut donc à ce point? Ce n'est pas vrai du tout. Elle vous écrivait tous les jours de cet hôpital où le shérif l'avait envoyée. Elle a passé toute sa vie à faire des économies pour vous. Elle avait peur de retourner là-bas. C'est pour ça qu'elle n'est pas revenue. Mais venez, Monsieur Cooper. Elle vous aime de tout son cœur, Henri. Ne vous privez pas de lui dire combien vous l'aimez, vous aussi. C'est pas vrai. Si, c'est maman. C'est elle qui a pris la décision. T'imagines, elle m'a emmené le voir. Et tu sais quoi? Il adore les chats. Il y en avait partout. Dis à Madame Cooper qu'on arrive. Gina, attends. Écoute. Justement, j'allais t'appeler parce que, tu sais, elle ne va pas très bien. Quoi? Madame Cooper ne vivra peut-être pas jusqu'à demain. Non, pas ça. Wanda, il faut que tu l'aides. Faut pas qu'elle lâche. Dis-lui que c'est Philippe qui lui demande. Oui, je vais essayer. Seulement, tâchez de venir le plus vite que vous pourrez. D'accord? Madame Cooper.
J'ai une bonne nouvelle pour vous. C'est Henri. Vous avez retrouvé mon Henri. Oui. Oh. Et il sera bientôt là. Il va venir vous voir. Oh. Regardez mon bébé. Oui. C'est mon enfant. Mon bébé est vivant. Regardez ce qu'il est beau. Merci. Merci. Je ne sais pas si je serai encore de ce monde lorsque tu viendras me voir. Wanda, pardon. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Elle a eu une nouvelle crise pendant la nuit, alors on va lui faire un angiogramme. On ne pourra certainement pas éviter le pontage. Et quelles sont ses chances? Très réduite. Oh non, Billy, ça non. Le cardiologue l'attend. Il faut se dépêcher. Est-ce que je peux la voir? Juste une minute alors. Merci. Laissez-moi prendre votre main. Donnez-moi ce papier, s'il vous plaît. Irma, ça ne fait rien. Laissez-la. Bonjour, Madame Cooper. Mmh. C'est Wanda. Henri va arriver. Vous voulez le voir, n'est-ce pas? Mmh. Bien. Il est très loin, le petit bébé. Maintenant, c'est devenu un homme. Mais je crois que j'arriverai pas à tenir. Wanda, il faut qu'on la prépare. D'accord. À tout à l'heure. Billy, pourriez-vous attendre encore? Non, il faut faire très vite, au contraire. Sur un bateau. Tu sais nager, dis, j'espère, Henri. Oui, maman, je sais nager. Bien sûr que je sais nager. Très bien. Ton vieux. Mon fils. Tu es là. Henri. Maintenant, elle doit y aller. Il va falloir que je te laisse, maman. Je t'attends et on parlera plus tard. Tu m'as manqué, maman. Henri, mon enfant, mon petit bébé, j'ai retrouvé mon bébé, j'ai retrouvé mon bébé. Je suis désolé. Son cœur a lâché.
Non. Non, c'est trop cruel. On a tout essayé. Elle avait attendu 50 ans. J'aurais bien aimé être son amie, tu sais. Comme tu l'as été. Tu as su t'occuper d'elle malgré nous tous. Tu étais la seule à la croire. Aujourd'hui, où qu'elle se trouve, c'est quelque chose qu'elle n'oubliera jamais, jamais. Et finalement, à travers son histoire, elle nous a permis de nous retrouver toutes les trois. Ça ne va pas être facile au début, c'est vrai. Je vais avoir besoin de toi. On va s'en sortir. Je n'ai pas pu te prendre dans mes bras, ni t'embrasser, ni effacer ta peine par un sourire. Mon seul et unique espoir, c'est qu'un jour, tu saches à quel point je t'ai aimé. Avec tout mon amour, ta maman, Lily Cooper. Donc tout ça, c'est pour moi, hein? Tout ce qui se trouve ici. Je ne vous remercierai jamais assez de ce que vous avez fait. Vous m'avez offert quelque chose que je ne pensais jamais avoir. Je ne veux surtout pas que cette maison vous soit enlevée. Elle appartient à votre famille. Et c'est à vous qu'elle doit revenir. Oh, Henri, vous êtes sûr? Oui. Merci. Merci. Oh, je crois que la cassette est terminée. Henri, j'aimerais vous l'offrir. Oh non, je ne peux pas accepter. Comme ça, vous la connaîtrez un peu mieux. Merci. C'est très gentil. Henri, oui. Vous allez rater votre avion. Oui. Henri, j'espère que vous reviendrez nous voir avec Evelyne, peut-être à Thanksgiving. Avec plaisir. Tant mieux. On reviendra vous voir. Je vous souhaite bon retour. Merci. J'ai une idée. Étant donné que c'est à nous, pourquoi est-ce qu'on ne... on n'en ferait pas quelque chose? Qu'est-ce que tu dis? C'est une blague? Non, je t'assure. Il suffit de dégager cette partie et de mettre une espèce de hangar dans le fond. Et là, ça nous servirait pour faire sécher les noix de pécan. Et avec l'argent que ça nous rapporterait, on entretiendrait les lieux. Qu'est-ce que tu en penses? Si maman t'entendait, elle n'en reviendra pas. Oui, papa non plus. Thank you.